Ici fut autrefois un carrefour important sur la route des caravanes de thé et de chevaux, ainsi qu'une branche non moins importante de la route de la soie. Mais pour l'heure, nous allons visiter au centre du village le marché où les minorités de la région, les baillis et les yi, s'y retrouvent tous les vendredis. Ensuite, direction un atelier de broderie sur soie plus que centenaire, pour finir par Shibao Mountain, où nous avons pu apprécier le calme, la beauté et la sérénité de ce lieu. Je ne peux que recommander la descente à pied vers Shaxi, à travers les sentiers, descente d'environ une heure. Formidable Caroline. Prenons la route de Lijuan pour visiter sa vieille ville qui a été officiellement inscrite sur la liste de l'héritage culturel mondial de l'UNESCO en décembre 1997. Si vous franchissez les portes de cette ville, vous aurez l'impression de retourner plusieurs siècles en arrière. Lijuan a été construite il y a 800 ans, sous la dynastie des Nansong. La vieille ville est installée au pied de la montagne du Dragon de Jade. C'est ainsi que l'eau de la rivière du Dragon s'écoule du nord au sud de la vieille ville et se divise en plusieurs bras, ayant une multitude de canaux se faufilant dans chaque ruelle de la vieille ville et dans chaque habitation, ce qui lui a donné le surnom de Venise orientale. Plus de 300 ponts en bois, maisons traditionnelles chinoises, ruelles pavées, et rempli de poissons rouges dans les canaux considérés comme des porte-bonheur par les visiteurs. Cette vieille ville est une source inépuisable pour les photographes.
Première visite ce dimanche matin, le parc du Dragon Noir. Le parc du Dragon Noir de Lichuan n'est pas seulement un cliché du Yunnan avec un magnifique pont blanc de style oriental face à une pagode chinoise et planté sur un superbe lac, mais un endroit où il fait très bon vivre, s'adonner à la marche, à la lecture aux cartes, aux échecs chinois, au tai chi, à la gymnastique chinoise et même un superbe kiosque qui accueille des musiciens locaux jouant de la musique, bien sûr traditionnelle chinoise. Vous l'aurez compris, ce lieu respire la sérénité et la convivialité. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah, your colors are changing, the world ain't half bad.